Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche-à-Tout, j'ai le plaisir de recevoir deux invités dans un premier temps. La vice-présidente de la Croisée, Mme Ginette Roy. Bonsoir, Ginette. Bonsoir. Et le porte-parole d'une activité de financement qui aura lieu dans quelques jours, dans moins d'une semaine, dépendamment de la journée où vous écoutez l'émission. Je veux parler de quelqu'un que vous connaissez. Ceux qui écoutent la radio vont reconnaître sa voix, à défaut de ne pas le voir. Mais là, vous allez le voir ce soir, c'est Alain Fauché. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Pierre. Alors, Ginette, on va commencer par le début. C'est quoi ça, la croisée? La Croisée, c'est un organisme d'abord sans but lucratif qui s'adresse aux personnes qui ont un membre, soit de leur famille ou un ami, ou en tout cas qui ont une maladie mentale. Alors, c'est pour les membres de l'entourage. Ça peut être ton frère aussi, ta sœur qui a un problème de santé mentale, ton conjoint, un enfant, quelqu'un avec qui tu travailles. Alors, on est là, la Croisée est là pour soutenir, pour informer, pour écouter, pour donner du répit. Il y a des Ah oui. activités aussi, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, surtout quand la personne est à la maison. De toute façon, il y a toujours des périodes, des fois, plus difficiles. Oui. Hein? Fait que, moi, j'invite beaucoup les gens à venir, parce que c'est seul, vivre ça seul, à un moment donné, ça devient beaucoup trop lourd. Oui. Alors, on sent Ne ça. serait-ce que de partager, déjà, ça enlève peut-être du Oui. fardeau. Mais Oui. quand on dit aller à la croisée, c'est où la croisée? Oui. Moi, j'ai toujours à l'ancienne église Saint-Noël, comme ça, les gens Oui, ben comprennent, hein? oui, c'est Comprennent où vrai. est-ce que c'est. Alors, on est bien installés Oui. pour les activités aussi. Il y a une Puis grande c'est très salle, facile, là, puis quand on rentre dans le corridor, c'est indiqué. oui, c'est indiqué, bien Donc, indiqué. et la croisée, ça existe dans la région depuis combien d'années? Ça va faire 22 ans bientôt. 22 ans. C'est en avril, là? Oui. Oui. 22 ans, il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas, alors. Bien, c'est un peu pour ça que, juste un peu avant de l'émission, je disais, oui, vous avez une activité de financement, mais ça serait toujours, moi, je trouve ça toujours important de faire le point, hein, parce que, bon, la directrice générale, on l'a reçue souvent. Là, c'est la vice-présidente. Ça doit être parce que c'est plus payant, la Ah vice-présidente. oui, sûrement. Sûrement. Alors, ça existe depuis 22 ans. Oui. Alors, il y a vous avez un personnel de combien de personnes là, qui travaillent là, régulièrement à la croisée? OK, il y a quatre personnes, mais la directrice est à temps plein. On a quelqu'un 3 jours, une personne une journée. On a la secrétaire aussi qui ne sont pas à temps plein. Mais on aurait besoin de beaucoup plus. Puis on aimerait aller, comme à Disraeli, avoir un point de Un service centre à de service, Disraeli, oui. à East Broughton, pour couvrir toute la région jusqu'à Garby, puis toutes les petites En places. fait, tout le territoire de la MRC des Ouais, Appalaches, mais là. pour ça, là, il y a une étude qui a été faite, ça nous prendra de là 300 000. Puis Oh, là, on aurait pareil. besoin de plus d'employés, puis et tout, là, pour faire fonctionner. Alors, présentement, c'est pas pour rien qu'on fait la campagne de financement non plus, hein. Bon. Mais la campagne de financement, mais est-ce que la croisée, vous autres, vous êtes déjà subventionné ou aidé d'une façon quelconque financièrement par le gouvernement, par Centraide, entre autres, ou des différents organismes comme ça? Oui, on a une subvention du ministère de Ah, la du Santé, ministère de la oui, Santé, services oui. sociaux. Pas de Centraide, on n'a pas Ah d'autres non, OK, vous n'avez pas subventions. d'argent de Centraide. Non. Fait que c'est ça. Et c'est ce qui explique le fait là, que vous avez des activités de financement, dont celles dont on va parler. Alors, Oui, parlons-en. oui, Alain est le porte-parole du Super Souper Spaghetti, les 3S. oui. Super Souper Oui. Oui. Spaghetti, C'est bon. au profit de la croisée. Je vais commencer avant d'aller à toi, Alain, je vais demander à Ginette, pourquoi vous avez choisi Alain comme porte-parole? Ah, mon dos. On a pensé que c'est un homme connu dans la région, hein? Alors, il est dynamique, puis je pense qu'il Conseiller était bien municipal d'East placé. Broughton. Tu vrai? Oui. Alors, j'en apprends. J'en apprends. Je vous en cache encore un peu. C'est un homme engagé dans son milieu. Oui. Et toi, Alain, pourquoi que tu as accepté de devenir porte-parole d'une activité de financement telle que le super souper spaghetti?
Moi, je pourrais dire que avec Lucie Rochefort, le courant a toujours passé. Depuis que je connais l'organisme, pour avoir quand on dit Lucie, là, on parle Lucie de directrice Rochefort, générale. Directrice générale, ouais, okay. Effectivement. Et des conférences de presse dans le temps qu'elle organisait. Je faisais des entrevues avec elle. Puis le courant passait toujours. Et quand je suis revenu à la radio en 2013, je pense qu'elle a été une des premières à manifester son contentement de me réentendre. Fait qu'il y a toujours eu une belle complicité entre les deux. Et elle est venue me rencontrer l'automne passé pour me dire ça. On aimerait que tu sois notre porte-parole. Ça m'a surpris, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un honneur carrément de me faire demander ça. Et c'est un organisme pour qui j'ai beaucoup je trouve qu'ils sont vraiment... qu'ils font un très beau travail. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Puis la maladie mentale, j'ai pas nécessairement été confronté à ça, mais j'ai vu mon père souffrir de démence les dernières années de sa vie. Bon. Et ça a affecté la vie de ma mère, qui est décédée, épuisée carrément. Fait que c'est quelque chose qui en bout de ligne, qui me touche. Oui. Je me suis senti interpellé là. Oui, il faut dire, je t'ai peut-être pas bien présenté. Ah, pas de problème. Toi, tu travailles à la radio au 105,5 oui, à Thetford. C'est ça, alors, c'est ça. Ceux qui disent, hey, il me semble que je connais ça, cette voix-là, mais là, ils vont pouvoir se situer davantage. Le visage est moins connu. Maintenant qu'ils voient le visage. Ouais, c'est là. Ça. Mais donc, c'est ça qui est venu t'interpeller, disons, un bon contact avec la directrice générale et quelque chose dans ta famille qui est venu te chercher. Ouais, la réputation de l'organisme, puis après, puis mon vécu un peu d'aidant naturel dans les dernières années. Mon père est décédé l'année passée, mais les dernières années de sa vie, là, j'étais devenu aidant naturel aussi. Là. Alors, je peux comprendre les gens qui sont aux prises avec des personnes qui ont la maladie mentale autour d'eux, tout ce qu'ils peuvent vivre quotidiennement, je peux le comprendre. Oui. Et c'est pour ça que, comme Ginette disait si bien, la Croisée, c'est un organisme qui soutient, qui donne du répit, qui permet aux gens de partager. Un peu de sortir la soupape, là. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est épuisant. C'est épuisant. J'ai vu aller ma mère les dernières années de sa vie, elle était carrément épuisée, là. Bon. D'essayer de garder mon père à la maison pour différentes raisons. Finalement, ce qui devait arriver est arrivé, là. Oui. Alors, c'est pour ça que tu as accepté d'être le porte-parole du super souper spaghetti. C'est quelle date, le souper spaghetti? Mercredi 22 mars, c'est la semaine prochaine, ça? La semaine prochaine. Mercredi 22 mars. Le mercredi 22 mars. Donc, vous avez un souper spaghetti. Le mercredi 22 mars, à quel endroit? C'est au club de golf. Ah, au club de golf, ici au centre-ville, là? Oui, Cherchais le nom du club de golf. OK. J'imagine aux heures habituelles. Là, ça commence à 17h, c'est ça. Oui, OK. Ça commence à 17h, c'est pour la soirée. Et ça coûte combien pour aller manger un spaghetti? Bien là, il y a différents prix. Pour les adultes, c'est 15 $. Hein? Pour les 6 ans et moins, c'est gratuit. Et entre les deux, donc de 6 à 12 ans, c'est 12 $. 12 $. Ouais. Donc, autrement dit, pour un adulte, là, 15 $. Oui. Ça comprend quoi? Le spaghetti? Ça comprend le breuvage? Ça ne sera pas complet, hein? C'est ça. Ça ne sera pas complet carrément. Oui. Ben, c'est pas cher, ça, là. Non, puis c'est pour une bonne cause. C'est pour du financement, là. Oui. Là, moi, j'ai une affiche, ici, là. C'est marqué « Merci à tous nos commanditaires. » 1, 2, 3, je sais pas, là, il y en a quasiment une quinzaine, si c'est pas plus. Est-ce que ce sont tout le monde qui vous aide, là? Autrement dit, vous, quand vous allez donner l'assiette à la personne qui va avoir acheté un billet, cette assiette-là vous coûtera pas trop cher. Non, donc, vous allez faire pas mal de profit sur les 15 $, là. Oui, oui, oui. Parce qu'on a eu beaucoup de commanditaires, des bénévoles qui sont allés chez les gens, les commerçants et tout. Parce que là, il y en a là, toute une panoplie. Il y a des... De peur d'en oublier, tout simplement pas en nommer, mais vous avez des magasins d'alimentation, des restaurants... enfin, tout, même le 105, l'annonce du 105 est là, Passion Rock. La publicité. Même TVCRA, tiens. Belle découverte, hein? Ben quoi, on vous accueille à nos studios. Ben oui. Donc, ça coûte 15 $. Là, on est à une semaine à peu près. Là. Les billets sont en vente à quel endroit? Est-ce que vous en avez, vous autres, individuellement? Oui, nous. Puis il y en a à la croisée. Principalement à la croisée, là. Mais s'il y a des gens qui viennent à la station de radio, j'en ai toujours sur moi, là. Il n'y a pas de problème, là. Ah, OK. Je peux en vendre. Est-ce que, déjà, vous êtes dans votre vente, là? Est-ce que ça va bien, la vente des billets? Très bien, hein? Ça va très bien. Oui. On a su qu'il y en a 80 de vendus, là.
Alors. Au moment où on se parle, vous êtes sur le bord du sang. Mais il y a encore de la place. Oui. On en veut encore. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient, là, qui nous écoutent, qui se disent, ouais, mais là, moi, le 22, je ne sais pas si je vais être libre. Ah, ben, j'irai sur place. Est-ce qu'ils risquent d'être déçus s'ils se présentent? Bien, c'est plus compliqué pour la préparation du souper. C'est vrai, hein, quand tu prépares de la sauce. La quantité pour de sauce, effectivement. Ouais, c'est pour ça qu'on aime mieux avoir des réservations. Là, des, ouais, les gens, okay. Ouais. Les gens achètent leur billet avant, là, le plus possible. Là. Ça serait préférable. Ouais. Pour nous, ouais, autres, pour l'organisation. Pour l'organisation matérielle. Là, alors, beaucoup de bénévoles qui vont travailler, oui, ce soir-là pour tout ça. Donc, on répète, vous allez avoir un super souper spaghetti le mercredi 22 mars à compter de 17h. Au club de golf de Thetford, c'est combien les montants pour les ventes des billets, Alain? On est à 15 $. On est à 15 $ pour les adultes. Pour les enfants de 6 ans et moins, c'est gratuit. Et entre 6 et 12 ans, c'est 13 $. Ou 12 $. Donc, quelqu'un qui arrive là avec une famille, là... C'est moins cher qu'au resto. Oui, c'est moins cher qu'au resto. Effectivement. Oui. Puis, est-ce que vous allez avoir de l'atmosphère aussi, des choses? Est-ce que vous allez déguiser votre porte-parole en clown ou quelque chose de même? Il n'y a pas de mandat encore. Clown, là. Prendre la parole, oui, mais peut-être pas en clown. Oh, on va voir M. Fugère, oui, qui va, avec son accordéon, lui, il va mettre de l'ambiance. Oui, ça va être bien. Moins de meilleur que moi pour ça. Lui. Alors, pour terminer, on rappelle le numéro de téléphone pour les gens qui nous écoutent. 418-335-1184. Alors, Ginette et Alain, merci beaucoup. Un plaisir. Merci. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir celui qui a obtenu, à sa grande surprise, m'a-t-il dit tout à l'heure, le titre de personnalité de l'année dans le cadre du Gala Zénith qui s'est déroulé au mois de mai 2016. Je veux parler du vice-président exécutif de Dundee Technologies, David Lemieux. Bonjour. Bonsoir, David. Bonjour. Et encore une fois, félicitations. Merci. Merci de me recevoir aussi. Là, les gens qui m'écoutent, puis même moi, le premier, l'année dernière, quand tu es arrivé et qu'on a parlé de Dundee Technologies. Qu'est-ce que c'est, ça, cette bibitte-là? C'est quoi, ça, Dundee Technologies? C'est ça, oui. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots. On est essentiellement un centre de recherche. On est un centre de recherche privé qui a ses installations dans l'ancienne usine de BC. Ça, on à Black est Lake. Juste à Black Lake, à l'entrée du village, là, à gauche, en arrivant. Dans les grands entrepôts? Là? On occupe toute la partie en avant. Ah oui, donc, OK. Du grand entrepôt jusqu'à ce qui était l'ancien garage. On est arrivé en 2006 à Thetford. Pendant un petit bout de temps, on s'est appelé Nicromet Extraction. On a changé de nom en 2014 pour Dundee Technologies Durables. Et on a, comme je vous disais tantôt, environ 25 personnes qui travaille dans nos installations à Thetford, puis notre siège social est à Montréal. OK. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce qu'on fait dans ces installations-là? De la recherche, parce que c'est un centre de recherche? On fait de la recherche appliquée au domaine minier. On a développé essentiellement ce qu'on appelle notre flagship, là, notre technologie principale. C'est un procédé pour l'extraction de l'or, qui est un procédé vert. Ceux qui sont familiers avec le domaine de l'or, depuis environ 100 ans. L'or, ça s'extrait avec du cyanure. Ça fonctionne très bien, mais de temps en temps, il y a des accidents environnementaux. Donc, de plus en plus, il y a des pays qui ont banni l'utilisation du cyanure. Donc, il y a des dépôts d'or qui sont bien développés, mais qui ne vont pas en production parce que les gouvernements ont dit, chez nous, il n'y aura plus de cyanuration. Donc, nous, on a développé une alternative qui utilise des chlorures. Au lieu d'être des cyanures, c'est des chlorures. Des chlorures, ça, c'est du sel de table. Oui. Puis de l'hypochlorite, ça, c'est un autre nom pour de l'eau de Javel. Donc, c'est un procédé qui est à base d'hypochlorite et de chlorure. On a nos petits secrets sur la façon qu'on fait ça. On a 56 brevets qui ont été déposés dans différents pays. Et on applique le procédé sur différents échantillons qui nous sont envoyés de différents pays. Il n'y a pas d'or, malheureusement, à Thetford, mais c'est des échantillons qui nous viennent beaucoup d'Europe de l'Est. Beaucoup d'Amérique du Sud aussi. Chili, Pérou, Argentine. Bon, il n'y a pas d'or à Thetford. On avait de l'amiante. Oui.
Mais comment ça se fait que cette entreprise-là s'est installée ici? À l'époque, on est arrivé en 2006 pour travailler sur les tailings d'amiante. Quand on s'appelait Nicromet, on avait un procédé pour extraire le nickel des tailings. On a travaillé pendant 2 ans, 2006 à 2008 environ, pour l'extraction du nickel. C'était encore des chlorures, mais c'était de l'acide chlorhydrique, une autre sorte de chlorure. Ça fonctionnait relativement bien, mais en 2008, tout le monde se rappelle la crise financière. Le nickel était à 22 piastres la livre et tombé à 4 piastres la livre. Oh, palais. Donc ça, ça a mis un couvercle sur nos aspirations dans le nickel. Puis on a relancé les activités un an plus tard, en 2009, sur le procédé pour l'or, qui était le premier brevet daté de 1999 pour l'or. Donc c'était dormant à ce moment-là, mais là, il y a eu comme une substitution. Le nickel est devenu secondaire, puis l'or est devenu notre principal cheval de bataille. Puis depuis ce temps-là, c'est ce qui occupe l'essentiel de nos forces, là, nos ressources sont vraiment appliquées là-dessus. Mais notre équipe était déjà à Thetford, notre labo, notre premier pilote était déjà à Thetford, fait qu'on a bâti autour du noyau qu'on avait démarré pour les tailings d'amiante. OK. Mais où est rendue la recherche, justement, sur le procédé d'extraction là, de l'or? Donc, on est rendu à commercialiser. Après là, vous avez dépassé le stade de la recherche, là. Après plusieurs années de développement dans le laboratoire, après ça, on a construit ce qu'on appelle une usine pilote, traité environ une tonne par jour. Tout ça, c'est fait dans l'usine à BC1. En 2013, on a passé une étape plus grande. On a bâti ce qu'on appelle une usine de démonstration. Pas encore commercial, mais là, vraiment à plus grande échelle. Puis récemment, là, juste avant les fêtes, en 2016, on a finalisé cette phase-là de démonstration. Et les rendements sont très, très bons. On est à 95% et plus d'extraction de l'or. Le coût de l'once d'or, ça, c'est le chiffre magique, ça, dans l'or. Comment ça coûte extraire une once d'or avec votre procédé versus le cyanure que tout le monde connaît? On n'est pas plus cher. Mais il n'y a pas l'hypothèque environnementale du cyanure, donc on a un avantage à ce niveau-là. Là, on est en discussion avec des compagnies minières qui ont des dépôts qui sont sur la glace à cause des permis reliés au cyanure. Ah oui. On est en train de discuter pour vendre notre technologie, soit sous forme de licence ou de joint venture avec des compagnies comme ça, où on va aller s'installer. Et pourquoi que le vice-président exécutif de Dundee Technologies a été tout à coup nommé personnalité de l'année? Ça ne sort pas comme un champignon durant la nuit, ça. 2016, c'était une année charnière pour nous autres. On avait fait des belles annonces aussi, peut-être dans le courant de l'année. C'est peut-être ça qui a aidé à me faire connaître. Quoique, on a toute l'équipe en arrière. Moi, je parle toujours de l'équipe dès que je peux. Là. Moi, je suis juste la personne qui a été parlée en avant. Mais en arrière, on a une équipe fantastique à Thetford là, qui nous suit depuis 10 ans. Mais 2016, c'est ça, on a annoncé des investissements, entre autres avec Investissement Québec. On avait fait une conférence de presse à l'été avec M. Daou, qui était venu, le ministre du Développement économique. M. Lessard était là aussi, Laurent Lessard, pour annoncer des investissements de 5 millions d'Investissement Québec, qui faisait partie d'un investissement global de 20 millions pour construire et opérer notre usine de démonstration. Alors, dont tu parlais tout à l'heure. Dont je parlais tantôt, ah, exactement. Bon, okay. Alors, c'est un projet de 20 millions. 20 millions c'est, total, c'est quelque chose, ça. Oui. C'est pas des pinottes, là. Oui, oui. Non, puis ça a fonctionné. Le but de la démonstration, c'était de démontrer justement l'économique du procédé. Et les résultats sont, comme je disais, très, très bons. On est rendu à commercialiser avec différentes compagnies minières avec qui on discute présentement. Pour être à la tête d'une entreprise ou de ce centre de recherche-là, qu'est-ce que tu as comme étude, toi? Moi, personnellement, j'ai fait mes études à Sherbrooke en ingénierie. Je suis ingénieur chimique formation. Ah bon, alors là, ça s'explique. on a beaucoup de... Dans notre équipe, c'est beaucoup des ingénieurs chimiques, justement, métallurgistes. On a des techniciens, opérateurs qui ont fait leurs études collégiales ici au Cégep, à Thetford, en technologie minérale. Ah oui. Entre autres. Donc, oui. Puis, tu as commencé en me disant que Dundee Technologies durable,
était avant tout un centre de recherche. Donc, si je comprends bien, dans la région, on est rendu avec trois centres de recherche. Il y a Oléotech, il y a le Centre de métallurgie de plasturgie, dont les bureaux puis toutes les installations sont à même le cégep, et le Centre d'Ondé. Oui. Est-ce que vous travaillez en collaboration? Est-ce que vous vous connaissez? On se connaît très bien. On collabore beaucoup. Moi, je donne un coup de main personnellement sur le conseil d'administration du CTMP. Ah, mon Dieu, poser la question, c'est à y répondre. on a des très bonnes relations avec autant David chez Oléotech, où j'ai travaillé moi-même pendant un an. Justement, après la phase en 2008, là, j'ai travaillé un an chez Oléotech. On a des projets conjoints présentement qui roulent avec les deux centres. Donc, on est complémentaires. Et on a certains équipements de pilotage, de démonstration, justement, à une échelle qui n'existe pas au CTMP ou chez Oléotech. À cause de votre usine de démonstration? Exactement. Ouais. Par contre, au CTMP, il y a beaucoup de capacités analytiques. Entre autres pour des analyses minérales, préparation d'échantillons, des concentrations aussi qu'on n'a pas. Donc, on fait souvent une première partie des travaux au CTMP, ensuite une autre partie et vice-versa. Donc, on se voisine très, très souvent. Donc, comme responsable du centre d'Ondé, tu as des liens avec Annie Rochette, qui est la directrice du CTMP, et David Berthiaume de Oléotech, qui, lui, est installé, je dirais, dans l'ancien siège social de la société Asbestos Limitée, sur Rue Monnet. Exactement, oui, absolument. Puis tu as travaillé, tu as dit, sur Oléotech aussi. Oui, pendant un an, donc en 2008. Ah oui, un ingénieur chimique, Oléotech, ça... C'était une continuation un peu de la... Donc, c'était en ligne avec des choses qui m'intéressaient. Donc, j'ai travaillé un peu plus qu'un an, peut-être un an et demi. Ouais. Est-ce qu'il est trop tôt ou est-ce que je peux avoir une petite idée de ce que c'est que vous entendez par projet conjoint entre vous autres, là? On a certaines ententes de confidentialité. Je peux pas tout donner les détails. Parce que des fois, je reçois David Berthiaume de Oléotech, puis il me dit, « Ah, ça, j'ai... » signer une confidentialité, ça ne peut pas en parler. Mais c'est essentiellement des projets d'hydrométallurgie. Donc, ça touche entre autres encore à des projets de valorisation, des tailings, d'autres projets aussi dans d'autres domaines. Mais encore là, c'est pas que je ne voudrais pas en parler. Oui, OK. On signe des ententes. Il y a eu un colloque à un moment donné, il y a déjà de cela peut-être un peu moins de 10 ans, là, sur... la richesse des résidus d'amiante, ça s'était déroulé au cégep. Alors, c'est dans la continuité de ça, si je comprends bien, là. Vous autres, votre travail, vous le faites doucement, tranquillement, pas vite, sans tambour ni trompette, mais il y a des choses qui pourraient être intéressantes à venir, si je comprends bien. En partie. Je vous dirais, à ce moment-ci, Dundee Technologies Durables, nous, notre focus principal, c'est vraiment la commercialisation de notre procédé pour l'or. Okay. On a mis beaucoup d'investissements, d'efforts dans les dernières années, puis on est rendu à commercialiser. Puis ceci étant dit, on a laissé en arrière, dans notre usine à Black Lake, beaucoup d'équipements de pilotage, de démonstration qui ne nous servent plus. On a fini de démontrer maintenant pour nos procédés. Donc, on offre aussi des services techniques pour d'autres projets, même si ce n'est pas directement relié à nos technologies, si on s'adonne à avoir les bons équipements. Et certains de ces projets-là peuvent avoir rapport au tailing, justement, mais d'autres domaines aussi. On travaille des choses dans des sous-produits de l'aluminium, par exemple. On travaille des choses dans le nickel, pas des tailings, mais d'autres projets de nickel, parce qu'au fil des projets, on a développé une expertise dans le groupe puis des équipements pour travailler sur ce genre de métaux-là puis les procédés d'extraction des métaux aussi. Donc, Dundee, à Thetford, là, on peut dire que son avenir est, disons, à moyen terme assuré. Disons que ça va bien. C'est toujours un combat de tous les instants. Oui. On est une compagnie privée, donc on a toujours des rendements, des comptes à rendre. C'est correct. Mais les résultats sont bons. Les résultats sont très bons. Il y a un besoin aussi pour le côté service technique. On a une plateforme ici assez unique. Ça fait partie des collaborations qu'on a avec Oléotech, le CTMP, justement, de mettre en commun nos infrastructures puis les capacités techniques de nos gens dans nos trois centres. Quand on regroupe tous nos personnels, on est autour de 80 chercheurs, ingénieurs,
à Thetford, qui peuvent fournir des services de développement, de procédés, de mise à l'échelle. On a des simulations aussi informatiques pour les procédés. Donc, on peut tous fournir ces services-là à partir de Thetford de façon conjointe. Bien, c'est encourageant. Ouais. J'avais le plaisir de recevoir le vice-président exécutif de Dundee Technologies Durables, David Lemieux, et je le recevais également à titre de personnalité de l'année, qui a été proclamé lors du gala Zénith qui s'est déroulé au mois de mai 2016. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.